faut qu'on se présente. Il n'y a pas de raison que ce soit le premier rang qui en prenne pour un grade. Tu t'appelles comment pour le troisième? Sophie. Sophie. Et toi? Thierry. Bon, je vais pas le faire avec tout le monde. Thierry, Sophie, enchanté, vous pouvez éteindre en régie, je les ai déjà assez vus. Henri Nader. Nader, ça vient du Liban. Jacques Henri, pour être très précis, ça vient du 16e. Le siècle, hein, pas l'arrondissement. Quoique, Jacques Henri, passez-moi le poivre. Ça fait encore bien dans le 16e arrondissement aussi. Donc, je suis libanais par ma mère et écossais par un ami de mon père. Débrouillez-vous pour les lire, s'il vous plaît, sinon on va pas y arriver. Hein, parce qu'après, c'est un retard dans mes vannes, je lui ai dit, je n'ai que 10 minutes. Pour moi, c'est un record, mais je ne vais pas trop dépasser le plus. Donc, je suis libanais par ma mère et avoir une mère libanaise, ça a des avantages. Et ça aussi, des inconvénients. Niveau avantage, j'ai mieux mangé dans la vie que vous tous ici réunis. Niveau inconvénient, je me suis mangé plus de tartes dans la gueule que vous tous ici réunis. Ah mais il faut dire qu'on mange bien. Allez, pour vous donner une idée, il y a un bon indicateur, c'est les jurons. Tiens, Sophie, c'est ça? Ta maman, quand elle est énervée à la maison, elle dit quoi? Elle est jamais énervée. Ok, on a une enfant de la classe. Sa maman dit quoi quand elle est énervée? Elle dit merde. Là, si vous voulez, avec le merde, on est au summum de l'injure de la maman française. C'est le top du jour. Hein. Moi, ma mère, elle dit Kassamakshamota. Répétez après moi si vous voulez. Kess. Et Mac Charmota. Charmota. Allez, d'un trait, s'il vous plaît, vous saurez parler libanais. Qu'est-ce Mac Charmota? Voilà, vous venez de dire la chatte de merde. Je précise, ma mère exerce un mode de métier. C'est juste une expression courante au Liban. C'est un petit peu l'équivalent, si vous voulez, de votre. Ah, oh, mais ça suffit, oui. En fait, quand je vois une mère française, j'ai l'impression de voir un bisounours qui a bu un peu de pastis. Oh, ça suffit, oui. Alors que quand je vois une mère libanaise qui joue, là j'ai l'impression de voir un alien qui a bouffé un bisounours flambé au pastis après l'avoir fracassé à bout de tabouret libanais. Un dernier truc à vous dire, enfin surtout. Pas surtout. Je suis célèbre. Single. Free. Yes, you can! J'ai ben, solitaire. Enfin, je vais pas vous faire en toutes les langues, hein. Il y aura des sous-titres hein, sur le DVD, vous verrez, mais. Voilà, c'est en fait, t'emballes pas. On s'emballe. Et c'est pour le spectacle, c'est dans le spectacle. Je suis célibataire dans le spectacle. Tu penses que j'ai une tête de célibataire? J'ai une tête de célibataire. Tu me déçois d'autant plus que c'est évident que c'est pour le spectacle parce que ça évolue, vois-tu? Célibataire, maqué, veuf. Je vais pas tout réécrire chaque fois que je roule une pelle ou j'en utilise une. Ça me fait penser à un truc. Tu peux allumer en régie, s'il te plaît, la salle. Il y a beaucoup de couples qui sont rencontrés sur internet. Ici, levez la main, s'il vous plaît, qui sont rencontrés sur le net. Alors, soit paraplégique, soit faux cul. Tu peux éteindre, décidément, je les ai assez vus. De toute façon, les gens qui se rencontrent sur internet, ils assument pas. Quand tu leur poses la question, où est-ce que vous rencontrez? Ils te répondent tous la même chose. Par hasard. T'as l'impression que c'est un site de rencontre par hasard. Mais le pire sur internet, c'est pas de pas assumer. C'est le premier rendez-vous. Je vous le fais. Il me reste une heure pour me préparer. Qui ne l'a pas fait? Salut, c'est toi, Vanessa? Non, c'est moi. Et là, tu vois tout de suite qu'elle maîtrise grave Photoshop. Et tu vois aussi tout de suite qu'elle a pris un pseudo parce qu'avec une tête pareille, elle ne peut pas s'appeler Vanessa. Vanessa, c'est comme Eva, c'est un prénom qui sent le fion. À la limite, ça sent le sapin. Sur la photo, justement, c'est une bombe. En vrai, un arrière de Saint-Bernard tétraplégique. Oh. Alors elle te dit, on va boire un verre. Très bien, tu vas dire, ouais, c'est pas grave. Alors c'est là, faut que tu restes. Non, tu passes la question bateau. T'es plutôt
Toi, des frères et sœurs, tu aimes le Nutella? Ça se voit, putain, ça crève les yeux, elle kiffe à mort le Nutella. En plus, elle a visiblement eu toujours pour elle toute seule, donc elle est fille unique. Encore heureux, faudra pas la cloner. De toute façon, les sites de rencontre, moi, je les ai tous faits, je peux vous en parler. Hein. Mythique. Mythique, c'est un peu aussi de rencontre que le Cap d'Agde est aux vacances. C'est-à-dire que c'est blindé de monde, enfin de mec, hein, surtout en dame. Hein. C'est cher, on y est vite à poil, tout le monde a entendu parler, mais personne ne sait qui est allé, pas vrai?